et on fait le point à présent sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourard. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 210 nouveaux cas, 125 nouvelles hospitalisations, 105 cas guéris, 32 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 210 cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. Sachant que 27 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 6 nouveaux décès, rahimahoullah. Pour ce qui est des patients, nouvelles hospitalisations au cours des 24 dernières heures, le nombre est de 125 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 923 patients guéris, dont 105 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 32 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante, de faire attention à leur santé, de respecter scrupuleusement les techniques de prévention, les modes de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.